Hipparco, c'est le titre d'une chanson, un succès populaire crétois des années 70, voilà. Et il y a dans ce roman la présence d'un tourne-disque qui revient de chapitre en chapitre. Un tourne-disque que, paradoxalement, écoute, entre guillemets, son propriétaire, puisque le personnage principal, qui s'appelle Ilias, est sourd-muet. Mais néanmoins, il a le plaisir et l'habitude de voir tourner le plateau et d'imaginer ce que peut être la musique, le son qui en émane. L'histoire met en présence deux personnages, un couple, Ilias et sa mère, Maria, qui habitent à la pointe est de la Crète, dans un endroit absolument désolé. Le récit se passe dans les années 70-80, ça n'est pas précisément dit, mais on arrive à s'en faire une idée grâce aux objets qui reviennent dans ce roman. Et Ilias et sa mère vivent dans un désœuvrement absolument complet. Elle est très âgée, on peut dire qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et Ilias, lui, par défaut, est garagiste, non pas qu'il ait un garage établi avec énormément d'outils, mais il répare des épaves de vieux camions qu'on vient lui apporter. Ça pour la journée, car le soir, tous les soirs, Ilias part pêcher avec sa barque le long des falaises crétoises, et à force de ressentir l'effet du vent sur sa peau, à tort ou à raison, un jour, il croit percevoir un bruit, il croit percevoir le bruit du vent. On ne sait pas exactement jusqu'à la fin s'il a vraiment entendu quelque chose ou si c'est un effet tactile. Mais voilà, c'est pour lui une découverte et un élément qui vient rehausser un peu cette solitude absolue qui règne dans ce livre. Livre dans lequel, en fait, je poursuis un thème qui m'est cher, celui de la quête des sens. Il y avait eu, comme toute première publication, des récits qui s'appelaient Compagnie tactile. Voilà, c'est un peu dans la même veine, sinon que cette fois-ci, c'est un roman. Pourquoi la Crète? C'est simplement parce que je m'étais rendu exactement dans ce hameau dont il est question il y a de ça très longtemps, à la fin des années 70, au début des années 80. Et j'y suis retourné il y a exactement 10 ans. Et voilà, j'ai effectivement rencontré tous les soirs, à 5 heures de l'après-midi, un pêcheur qui était sourd-muet, qui partait en mer. Et il faut croire que cette figure m'a marqué, puisque durant 10 ans, elle ne m'a pas quitté sans qu'elle m'obsède. Et voilà, 10 ans après, exactement 10 ans après, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, j'ai eu envie de reconstituer ce qui pouvait être son existence.